السلام عليكم الزرفلاون، بونسوار. رمضان كريم ان شاء الله لكل الناس كخاوتنا. جي اون بانسي بارتيكولييغ بور لي بريزونيي بوليتيك لي ديتنو دوبينيون كي سونت انكور دون لي جول دو ريجيم. جي اون بانسي بور تو سو اي سيل كي سونت دون لو بيزوان، كي سونت دون لو مالور، كي سونت دون لا سوفرانس، qui sont dans le deuil. Rabbi inchallah yati sabr al kull nas, ou j'espère que la solidarité sera agissante en ce mois sacré. Barakallahu fikoum. La toute récente visite d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, à visite à Alger, a appelé à de nombreuses lectures, dont certaines peuvent sembler très alambiquées, mais qui n'en sont pas moins significatives de l'état de délabrement du régime algérien et du peu de cas que font désormais de lui les puissances occidentales. Rappelons que cette visite algéroise du secrétaire d'État est venu clôturer un périple entamé 4 jours au Moyen-Orient, puis au Maghreb, à Tel Aviv, puis à Rabat et enfin à Dzaïr. Au-delà de son aspect géostratégique, en relation avec la question ukrainienne, certains observateurs ne sont pas loin de déceler une odeur de normalisation à petits pas, à destination de l'Algérie, pour l'inciter peut-être à rejoindre le Maroc dans son rapprochement avec Israël. La récente visite de Tebboune au tombeau d'Anwar el-Sadat, le père de la normalisation, rappelons-le, n'est pas sans suggérer cette option. Peut-être faut-il rappeler qu'avant de quitter le pays, le secrétaire d'État américain, lors de sa conférence de presse à l'ambassade américaine, avait clairement dit que Washington entend, et je cite ses propres paroles, soutenir cette normalisation israélo-arabe et encourager d'autres pays à s'y joindre. Fin de citation. Mais le plus évident et qui a très fortement irrité le régime algérien aura été cette attitude plus qu'amicale du secrétaire d'État américain à l'endroit du Maroc et l'expression de la réaffirmation de son pays au plan d'autonomie marocain jugé, je cite, « crédible, sérieux et réaliste ». Fin de citation. Et cerise sur le gâteau, les vœux du même représentant américain pour une victoire du Maroc au match de qualification pour la Coupe du Monde. C'est dire. C'en était trop pour le régime d'Alger, qui a estimé devoir manifester son humeur en n'envoyant pas son ministre des Affaires étrangères accueillir le secrétaire d'État à l'aéroport. Celui-ci a trouvé d'obscurs hauts fonctionnaires des Affaires étrangères au bas de la passerelle. Il n'y eut pas non plus, comme ce fut le cas au Maroc, une conférence de presse commune entre les deux diplomates. Par contre, et comble de la schizophrénie politique, le régime a organisé une rencontre entre le président Tebboune et le secrétaire d'État américain, pendant laquelle le président algérien se livrera une pathétique prestation, à croire qu'il rendait compte à son patron. Le comble est qu'il semble bien qu'il ne savait pas qu'il était enregistré, puisqu'il n'aurait jamais dit ce qu'il a dit sur les politiciens libyens, sur le président mauritanien et autres. Les Américains avaient commencé par publier sur leur propre site, un compte-rendu détaillé sur la rencontre, compte-rendu écrit. Et dès hier a commencé à circuler un enregistrement audio de la rencontre, dont on ne sait pas encore la source. La question qui se pose est: qui a piégé Tebboune? Excellence, je vous réitère la bienvenue. J'espère que ce séjour permettra
un meilleur rapprochement encore plus que ce qu'il y a entre nous, que les rencontres algéro-américaines ont toujours eu une certaine intensité. C'est lourd. Ça se termine toujours bien, incompréhension, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Énormément de similitudes dans notre lutte pour notre libération et la vôtre. D'ailleurs, nos deux journées nationales d'indépendance, c'est quelques heures qui nous séparent. Pour vous, c'est le 4 juillet, pour nous, c'est le 5 juillet. Le système, la démocratie américaine, personne ne peut la contester. C'est un peuple qui s'est construit sur la démocratie. Nous essayons, nous aussi, de bâtir notre démocratie avec nos propres valeurs et notre propre histoire. Elles se rejoignent. De toute façon, la démocratie étant le fait que les institutions soient représentatives réellement d'un peuple et d'un... يصبح المواطن ولد تمراست يركب في القطار من المحطة نتاع تمراست قطار سريع قطار وكهرب يوصل العاصمة بعد 8 سوايع 9 سوايع بلا ما يحس بالسفر. Rencontre Tebboune Bliken, une fuite organisée, c'est le titre de l'émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui avec moi mon ami Hassan Hirsch, analyste politique depuis Paris. Hassan, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je te salue, je salue tous les téléspectateurs. S'il y a d'autres invités, je les salue. Et puis je dis... à tous ceux qui nous écoutent et qui font le Ramadan Saharam Dankum, pour que pour ceux qui ne le font pas, eh ben, bon appétit. Merci. Mon ami Boukhalfa Ben Mamar, militant politique, membre fondateur de Riposte International, qui est avec nous aussi depuis Paris. Boukhalfa, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à Dr Hassan, que je salue au passage. Bonsoir à tous vos auditeurs qui nous font cette grâce de nous inviter chez eux dans leur salon, ou nos concitoyens qui prennent toujours quand même sur eux de diffuser vos émissions dans les restaurants, dans les cafés, si tant ils sont ouverts. En ce mois de spiritualité, j'espère... le moins de religiosité possible et plus de spiritualité à nos concitoyens. Merci beaucoup, Boukhalfa. Alors, je vais vous demander l'un et l'autre, vous serez seul dans cette émission, mais vous aurez un troisième invité qui sera les extraits de la vidéo de M. Tebboune que je passerai à chaque fois. Et je vous demanderai de commenter au fur et à mesure, je vous demanderai de commenter de façon assez dynamique pour pouvoir aller au bout. Alors, nous allons commencer tout de suite avec M. Tebboune qui reconnaît l'arbitrage des États-Unis. Et d'ailleurs, je vais vous poser une question juste après. Écoutons-le, M. Tebboune. Bien sûr, l'arbitrage des États-Unis d'Amérique dans tous les conflits internationaux, dans toutes les... Nous sommes pour. Nous sommes... Vous savez, peut-être nous sommes des rêveurs, peut-être, mais on rêve d'un monde plus équilibré, d'un monde où la liberté est mieux défendue, d'un monde où...
Alors, Hassan, je vous demanderai de commenter au fur et à mesure, mais de nous dire tout à l'heure, nous allons en parler tout à l'heure, est-ce que M. Tebboune se savait enregistré? Mais avant, au sujet de ce qu'il dit, là, il reconnaît la démocratie des États-Unis. D'ailleurs, c'est la même que l'Algérie, avec les mêmes institutions. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, a priori, je n'exclus pas qu'il sache qu'il est enregistré, mais que ça soit diffusé, peut-être pas. Voilà, oui. Maintenant, je ne sais pas s'il faut commenter tout de suite ou si vous voulez barrer. On essaiera de faire des tours de micro de 2 minutes chacun. Vous êtes libre de commenter comme il vous semble, Hassan. Moi, écoutez, ce qui me semble déjà tout de suite très, très surprenant, c'est qu'il parle d'un arbitrage, de l'arbitrage américain dans le monde qui lui convienne, qui dise que c'est un bon arbitrage et qu'il dise ça nous convient, alors que on sait très bien que l'Algérie se trouve en difficulté par rapport à la question du Sahara occidental, et les États-Unis ont pris fait et cause pour le moment pour le Maroc, pour l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre marocain, et ils disent que c'est une solution sérieuse, réalisable et crédible. Donc, quand il dit que l'arbitrage des Américains dans le monde, il dit bien dans le monde, que ça convient à l'Algérie, là, c'est absolument surprenant. Est-ce que ça veut dire qu'il commence à accepter finalement ce statut de l'autonomie du Sahara occidental dans le cadre marocain? Et ce serait vraiment un immense tournant au niveau géopolitique de la région et de l'Afrique tout entier, et des relations euro-africaines, et particulièrement nord-africaines. Là, c'est absolument surprenant. Donc, il va falloir qu'on attende quelques jours. Est-ce que c'est une position officielle? Est-ce que, en tout cas, il a dit clairement, nous sommes pour l'arbitrage américains sans préciser dans l'affaire Sahraoui ou dans le monde entier. Il a dit sur tous les plans. Oui. Tous les arbitrages. C'est peut-être un appel du pied. Alors, voilà. Boukhalfa. Bah, en fait, rien de neuf, si ce n'est que. Moi, je pense que je vais dire, il se savait de toute façon. Ce sont toujours des fuites qui sont organisées, mais comme il y a des lignes qui bougent sur la question occidentale dans le régime algérien, je dis bien le régime algérien a fait un sujet de croisade contre nos voisins marocains. Ça a toujours été une manière de déstabiliser. Ça a toujours été aussi une façon de se déstabiliser mutuellement avec le voisin. Mais cela dit, le flou n'est pas dans le propos. Le flou, c'est toujours voir les balances d'échanges commerciales, d'une part, et d'autre part, ce sont les véritables indicateurs. Les changements de paradigme, je pense qu'à ce niveau-là, on a quand même une armée qui est quand même sur un autre plan, qui est un peu déstructuré par rapport à cela. Il y a beaucoup de dossiers qui leur échappent. Et là, on verra au fur et à mesure, parce que j'ai écouté la fameuse suite, les sujets qui vont être développés et qu'on mettra en perspective. Mais globalement, pour dire, est-ce que c'est un alignement avec un chèque en blanc saying pour la politique américaine? En partie, oui. En partie, oui. D'ailleurs, tout ce qui a été développé un peu dans l'échange, le reste. Mais qu'est-ce que vous voulez dire d'autre sur ce chapitre-là? C'est le nouveau verrons en avançant sur les autres sujets. Déséquilibre. Oui. Alors, sur le Maroc, sur le voisin marocain, comme a dit Boukhalfa, sur le voisin marocain? L'environnement, parfois on est compris, parfois on est incompris. Ça veut dire notre environnement. On est entouré de pays qui ne nous ressemblent pas beaucoup.
en dehors de la Tunisie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des relations très intimes avec la Tunisie, parce qu'on se ressemble dans beaucoup de domaines. Sinon, toutes nos frontières sont en flammes. La Libye déstabilisée, après la Libye, bien sûr, il y a tout le Sahel, il y a tout le... ça va du Tchad, au Burkina, au Mali, Niger. Et même la Mauritanie est chancelante, elle n'est pas très, très, très puissante. Bon, à côté, nous avons le royaume du Maroc. Bon. Nos relations ont toujours été coussi coussa. Depuis notre indépendance, hein, c'est pareil, ça. C'est pas l'affaire du Sahara ou l'affaire du... Hassan ? C'est absolument surprenant. Hein. D'abord, il finit en disant que les relations avec le royaume du Maroc, le problème s'est posé depuis l'indépendance, ce n'est pas la question du Sahara. Qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, j'espère qu'on verra dans les jours qui viennent, on verra très certainement dans un éditorial d'El Jaysh une réaction par rapport à cet entretien. Il va falloir suivre ça de très près. Sinon, je trouve maladroit qu'il parle d'une façon aussi méprisante de notre voisin mauritanien, alors que bon, il y a tout lieu d'avoir des relations équilibrées, d'avoir des relations importantes, parce que justement c'est un pays frontalier avec le Sahara occidental, avec le Maroc, et puis c'est un pays qui a de l'avenir hein, au niveau des matières premières, au niveau de l'énergie. Et c'est un passage possible aussi pour l'Algérie vers l'océan Atlantique. D'un point de vue stratégique pour l'Algérie, c'est extrêmement important d'avoir de bonnes relations avec la Mauritanie, surtout dans la période que nous traversons aujourd'hui. Et puis, il parle des relations avec la Tunisie. Je suis surpris par le terme qu'il utilise. Il dit « ce sont des relations intimes », ce qui veut dire que ce ne sont pas des relations d'État à État, mais de relations de personne à personne. Ça, on ne peut pas ne pas prendre en compte les mots qui sont utilisés, ils ont leur poids. Des relations intimes, cela ne veut pas dire justement que ce sont des relations équilibrées, économiques, rationnelles, objectives, etc. Et puis avec des perspectives stratégiques au niveau régional et mondial, etc. Les relations intimes, c'est comme un couple. Hein. Je veux dire, ça peut aller bien aujourd'hui, comme ça peut se brouiller dès le lendemain. Les fâcheries sont possibles. Et puis, ce qui me gêne, M. Bensounouf, c'est cette attitude de l'enfant soumis. Il est en train de parler à Blinken un peu comme quelqu'un qui lui rend des comptes, un peu comme l'ancien, rappelez-moi son nom, l'ancien président de l'Assemblée nationale ou qui a été en Russie et qui parlait... Ben Salah, oui, effectivement. Ben Salah, effectivement, à Poutine. Effectivement. C'est exactement la même relation de l'enfant avec son tuteur. Boukhalva sur cette question. Oui, mais en fait, cette manière assez triviale de s'exprimer sur des sujets de fond et qui sont éminemment importants pour les implications à l'échelle de la région dénote aussi de mœurs politiques au sens intellectuel du terme. Vous imaginez la rupture entre le président autoproclamé de l'Algérie actuelle et ceux qui ont été ceux qui ont fait les coulisses du congrès de Bandung pour inscrire l'Algérie dans une démarche de non-aligné avec une certaine équidistance vis-à-vis des pôles de l'époque, ce qui était extrêmement important. Cela dit sur la culture qui fait un homme d'État et celle qui ne différencie pas d'une discussion, passez-moi l'expression, du café du commerce. Et en plus, comme l'a souligné le docteur Hassan, on ne peut pas parler de ses voisins en ces termes, je dirais carrément péjoratifs. Et la nature des relations qu'il met en évidence concernant la Tunisie, effectivement,
il peut s'exprimer de cette manière sur cette question, puisqu'il ne faut pas oublier qu'ils ont été chercher le monsieur Bouhafs là-bas comme s'il était dans un département algérien. Un groupe d'agents des services ont été le kidnapper pratiquement sur le territoire tunisien, au vu et au su de tout le monde. Et ça n'a pas soulevé la moindre contestation de l'État censé être souverain tunisien qui est notre voisin aussi. Ça reste aussi révélateur. Cette trivialité indique, comme je vous ai dit, pour mon sens, un manque de culture d'État, d'une part, et d'autre part, vous savez, quand on est assis sur un pouvoir où on n'a pas de légitimité, on essaie de faire feu de tout bon. Alors, nous allons encore écouter M. Tebboune, mais là, il va nous parler de la Libye. Écoutez bien. Nous avons tout fait pour que nos frères libyens aient l'occasion de s'exprimer. Et nous avons, ça fait 2 ans maintenant que nous bataillons pour cette histoire d'élection au niveau de la Libye, parce qu'on a tiré les conclusions que ceux qui sont désignés ne représentent personne. À chaque fois, on désigne des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et on reprend, et on refait, et on reprend jusqu'à la dernière crise qu'ils ont chez eux, entre Dbeiba et celui qui a été nommé par le pseudo Assemblée nationale d'Aguila et autres. Et ça continuera parce que personne parmi eux n'est représentatif. Alors c'est ça, Hassan, qui laisse penser qu'il ne savait pas qu'il était enregistré, sinon il ne serait pas permis de nommer les gens, les Libyens, de dire pseudo-parlement, de dire que c'est des gens qui ne représentent personne, comme si, soit dit en passant, comme si lui représentait le peuple algérien. Mais c'est quoi ce ton, cette façon de tomber sur les voisins comme ça, sous un chef, un secrétaire d'État qui l'a écouté, qui avait des comme ça, c'est quoi ça, Hassan? Moi, je pense très franchement qu'il cherche à faire plaisir à M. Blinken, mais il le fait de façon absolument maladroite. Et je suis étonné d'ailleurs que pour le moment, la discussion se soit à sens unique et que M. Tebboune, qui est quand même président d'un grand pays, ne nous dise pas les exigences de notre pays, les exigences de l'État algérien par rapport aux problèmes régionaux. Je pense que la Libye, quand il dit ça fait 2 ans que nous bataillons pour essayer de faire quelque chose au niveau électoral, ça veut dire tout simplement qu'il montre son impuissance par rapport à ce qui se passe là-bas, par rapport aux enjeux, par rapport aux forces en présence. Et je pense que c'est absolument, encore une fois, maladroit, parce que l'Algérie a tout intérêt, justement, à participer d'une façon forte à la résolution du problème libyen, parce que c'est d'un point de vue stratégique, d'un point de vue économique, d'un point de vue géopolitique, ça doit être un pays qui doit être très très proche avec l'Algérie, parce qu'il faut savoir que lorsque ce pays aura résolu ses problèmes, il aura besoin d'une main-d'œuvre de 5 à 6 millions de personnes. Et je ne vois pas pourquoi les Algériens ne partiraient pas massivement pour travailler là-bas, pour relever ce pays qui nous est si proche. Il faut rappeler que nous avons pratiquement 1000 kilomètres de frontière avec ce pays, que c'est le même peuple, la même histoire, et que nous devons véritablement nous imposer et là-bas, parce qu'aujourd'hui, c'est les Émirats arabes unis, c'est l'Égypte, c'est la Turquie et les puissances occidentales qui sont présentes, la Russie aussi. La Russie, et l'Égypte, la Turquie. C'est ce que je disais, oui, absolument. Oui, oui. Et l'Algérie est quasiment absente, alors que nous devons absolument, d'une main de fer, même si c'est dans un gant de velours, montrer que nous défendons nos intérêts dans ce pays-là, qui nous est proche, avec lequel on partage encore une fois une très très longue frontière, et d'autant plus que nous sommes amis de la Tunisie, donc il est possible que conjointement on fasse quelque chose de positif
au lieu de passer notre temps à critiquer un camp ou un autre. Mais proposer des solutions et de faire tout pour les imposer dans la région. Boukhelfa, sur cette sortie en train de critiquer les Libyens, les politiciens libyens, le Parlement libyen, dont il nous dit n'est pas représentatif, c'est un comble, vous ne trouvez pas ? Oui, mais par contre, je me permettrai juste d'établir une digression. C'est que le président Boon est aussi nous rappelle aussi les limites de notre société qui est la nôtre. Je vais juste faire une autre digression. Il y a quelques années de cela, un commentateur sportif dans un match de football qui opposait un club algérien à un club, je ne sais plus si c'était un club camerounais ou quelque chose comme ça. Le journaliste donc a eu la langue qui a fourché, a désigné les joueurs du club camerounais. Je crois que c'était le Canon de Yaoundé. Il les a désignés par le Nouagra. Vous voyez un peu, donc une personne qui est censée avoir fréquenté les bancs de l'université, qui est révélateur. Donc, c'est une manière assez triviale, donc très peu diplomatique d'aborder des questions de cette nature. Et je pense que les usages à ce niveau-là, ces questions-là sont abordées entre les mêmes niveaux, c'est-à-dire que là, vous avez un président d'un pays souverain avec un ministre même de la première puissance militaire soit-elle, qui fait pratiquement de la plaventrisme devant un ministre des Affaires étrangères. Les discussions à ce niveau-là auraient dû se faire à un niveau égal, dans la discrétion la plus absolue, et comme le protocole l'aurait voulu, avec une conférence de presse faite par les deux, avec toute la langue de bois que l'on connaît dans ces circonstances. Mais là, vous avez un rapport qui est complètement déséquilibré. C'est une piètre image qui nous est donnée à ce niveau-là. Donc, et j'ai su aussi que le ministre des Affaires étrangères ne s'est pas déplacé lui-même. Je parle de la Mamala, ne s'est pas déplacé pour accueillir le ministre des Affaires étrangères américaine, et il a fallu que ce soit le président qui l'accueille. Mais aussi, c'est disproportionné, le langage est très peu diplomatique, pour ne pas dire autre chose, et on ne peut pas exprimer des états d'âme, encore moins, et puis il faut dire les choses. Ça, c'est des thématiques dont les activistes du Harak devraient s'emparer, devraient commencer à approfondir leurs réflexions sur ces sujets-là, parce que si la transition arrive dans un futur pas très lointain, et j'en suis convaincu, je pense qu'il faut arriver avec déjà un niveau de réflexion. Il ne faut pas oublier que la plupart de... Oui. Voilà. Finissez votre phrase, Boukhelfa. Juste simplement qu'il ne faudra pas laisser ces terrains trop importants qui impliquent l'avenir du pays, déjà à l'échelle régionale et à l'échelle un peu plus élargie. Mais je pense que la réflexion sur les équilibres régionaux, qu'ils soient tant économiques, militaires et politiques, doit faire aujourd'hui l'objet d'une réflexion profonde dans les milieux du Hirak. Très bien. Nous allons continuer à écouter M. Tebboune. Et puis, je vous parle à cœur ouvert, monsieur le secrétaire d'État. Personnellement, je n'ai jamais compris comment on est arrivé à cette situation. Ça a coïncidé de manière arithmétique et de manière mécanique avec la chute de la Libye. Et l'armement a commencé à se déverser sur le Sahel. Tout le monde voyait ce qui se passait. Personne n'a arrêté. C'est jusqu'au moment où il y a eu Barkhane pour éviter que Bamako ne soit prise par les terroristes. Hassan, c'est quand même fort de café. Hein. Je vous parle tout mon cœur, Gda et l'autre qui lui fait C'est quand même fort de café, pour le moins qu'on puisse dire. Hein. Non, mais franchement, moi je suis très inquiet pour l'Algérie, pour la simple et bonne raison que d'abord il parle de personnellement. Encore une fois, il est sur un registre émotif,
émotionnel, ce qui évidemment est complètement inapproprié dans des relations entre les États et dans ce cas-là dans une relation bilatérale avec un pays évidemment totalement puissant. Et puis il disait que tout le monde voyait les armes libyennes partir vers le Sahel, personne n'a réagi avant l'opération française, Barkhane, etc. Ce qui veut dire que l'Algérie avait vu ça et n'a pas réagi, alors que l'Algérie a quand même tous les moyens de réagir et surtout tout intérêt à réagir, parce que laisser installer justement des troubles dans les pays voisins est extrêmement dangereux pour l'Algérie. Et d'ailleurs, nous le voyons, c'est extrêmement difficile. C'est une question difficile à régler aujourd'hui et qui traîne depuis des années et des années. Donc, je suis absolument, malade quand j'entends ça, qu'il y ait ce genre de position au plus haut sommet de l'État, alors qu'encore une fois, j'insiste là-dessus, il s'agit de dire à ce représentant de l'Amérique, qui est un pays présent, puissant, et qui est présent partout, y compris évidemment dans notre région, eh bien, de lui dire quelles sont les exigences de l'Algérie, de lui dire quels sont nos besoins, de lui poser la question de quelle est votre position par rapport à ceci et cela. En quoi c'est important que l'Algérie prenne telle ou telle position sur tel ou tel dossier, etc. Et taper un peu justement des points sur la table et ne pas avoir peur. Au contraire, montrer que l'Algérie est un maillon fort dans ce qui se passe dans cette région euro-africaine et que nous avons un rôle à jouer. Parler du rôle à jouer, alors que là, c'est vraiment des lamentations, des regrets, de l'émotionnel, etc. Je suis absolument sidéré par ce qui se passe et j'espère que la chute de cet entretien sera complètement différente. ne le croyez pas, surtout pas. Alors, Boukhelfa, sur ce ton adopté, sur... ces larmoiements, sur ces miaulements, j'allais dire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un déséquilibre déjà dans le positionnement. Et en plus, à la limite, il serait en train de parler avec son vis-à-vis. Ça pourrait se comprendre jusqu'à une certaine mesure. Mais là, l'usage, vous voyez, un président d'un pays souverain qui parle de problèmes à ses frontières de son propre pays, qui parle, qui s'exprime en termes plaintifs sur ce qui se passe dans la région. Vous savez, je pense qu'il y a des étudiants de première année ou des lycéens d'un niveau minimum ont compris ce qui se passe dans la région, ne serait-ce qu'au travers de coupures de journaux sérieux qui le font. Et en plus, il y a quand même un lapsus. Il dit que l'opération Barkhane a permis de ne pas que Bamako ne tombe pas. Vous savez, c'est aussi reconnaître, c'est un aveu de faiblesse, de l'impuissance non seulement d'un pays comme l'Algérie dans la région à jouer une carte, mais c'est un aveu aussi définitif que sur le plan militaire, les possibilités algériennes d'intervenir dans les conflits qui sont aux portes de ses frontières et de la force d'une quelconque force diplomatique. C'est l'absence aussi de l'investissement de l'Algérie au travers des organisations régionales. Mais c'est vrai, il dit l'opération Barkhane a permis que le terrorisme ne prenne pas possession de Bamako, qui se situe au sud du Mali, rappelons-le. Mais c'est VRP. Barkhane a permis. Là, il se fait le VRP d'une décision Absolument. Militaire française. Le VRP de Barkhane. Voilà. Oui. Alors, pardon, Boukhelfa. Nous allons encore l'écouter, Monsieur Tebboune. De l'élevage, nous avons un déficit. Nous avons un déficit en matière de lait.
Nous importons énormément de lait en poudre que nous recomposons avec de l'eau ici. Ça, c'est sur le plan de l'agriculture. Sur le plan de transport, nous sommes en train de reconstituer la flotte marchande algérienne. Nous sommes en train de reconstituer aussi la flotte aérienne. Parce que jusqu'à présent, il y a presque la moitié du globe terrestre auquel on n'accède pas. Il faudrait y aller partout maintenant. C'est... Sur le plan du transport ferroviaire, c'est l'une des bases de mon programme. C'est d'arriver, comme ça a été prévu avec le port centre d'Alger, d'arriver à en faire un port africain qui permette de transporter tous les conteneurs par voie de chemin de fer jusqu'au Mali et jusqu'au Niger. C'est... Nous avons travaillé sur ça avec nos propres moyens. Actuellement, nous sommes à Béchar. La voie de chemin de fer est à Béchar. Béchar est à 900 km d'Alger, dans le sud-ouest. Il reste, pour atteindre Adrar, à peu près 560 km à refaire. Et d'Adrar, on va directement sur le Mali, Bourjbaji-Mokhtar, le Mali. Un vrai rapport compte-rendu, d'ailleurs complètement erroné, doigt sur la jointure du sur la couture du pantalon. Mais avant de donner la parole, nous allons encore l'écouter, M. Tebboune. Nous avons de très très grands projets structurants pour le pays. Premier projet, c'est reprendre notre agriculture, parce qu'en principe, avec un pays aussi vaste, on peut servir l'Afrique en matière de grains, en matière de ceci. On peut le faire, c'est techniquement très faisable. J'ai toutes les données depuis que j'étais administrateur sur ce plan-là. On peut produire facilement, on peut arriver à 30 millions de tonnes. Nous avons besoin de 9 millions et les 21 millions peuvent être exportés vers l'Égypte, vers le Maroc, vers la Tunisie, sans problème. Hassan, sans comment, je ne peux même pas faire de commentaires, je vous laisse vous exprimer. Écoutez, ça, malheureusement, ça continue sur le même ton. Et là, il y a effectivement un compte-rendu d'un subordonné à un chef. Il dit voilà ce que nous faisons, voilà ce que nous sommes en train de faire sur tel ou tel registre, etc. Et à aucun moment, il ne propose de la coopération, de transfert de technologie, des besoins, tout simplement, de l'Algérie vis-à-vis de l'Amérique. Je dirais même des exigences et de ses responsabilités par rapport à la région, etc. Donc, c'est bien. Il dit que... on va bientôt nourrir toute l'Afrique, y compris le Maroc d'ailleurs. Il n'a pas oublié le Maroc, en termes de grains, en termes de je ne sais pas quoi d'autre, etc. Et évidemment, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de planning, enfin de terme. Il propose, il donne pas de date. C'est peut-être dans 50 ans, je n'en sais rien. À moins qu'il ait la prétention qu'on puisse faire tout ça avant la fin de son mandat. Moi, encore une fois, M. Benchinouf, ce qui me fait mal, c'est que je suis vraiment, comment dire, totalement blessé de voir l'Algérie se positionner de cette manière dans l'échiquier mondial, parce que c'est une occasion de montrer à M. Blinken que l'Algérie a des exigences et qu'elle a besoin d'un partenariat équilibré. Et qu'il faut parler du multilatéralisme, et qu'il faut parler évidemment de façon ferme sur les problèmes régionaux, et aussi bien effectivement en matière économique, mais aussi en matière militaire, stratégique, en matière des relations, et dire à M. Blinken quelle est la pierre que vous comptez apporter à l'édifice que l'Algérie veut bâtir dans cette région-là.
Je pense que nous devons, encore une fois, passer au registre adulte et ne pas rester sur le registre enfant soumis, alors que nous avons un autre langage quand il s'agit de la France ou du Maroc, on leur parle différemment. C'est-à-dire que la soumission diplomatique envers les Américains, les Russes, les Émirats arabes unis, les Turcs, c'est absolument flagrant et ça ne peut pas durer comme ça. Et c'est un discrédit pour l'Algérie et il va falloir changer complètement de paramètres. Je ne sais pas pourquoi la Mamra a été mise de côté là cette fois-ci, parce que je ne comprends pas qu'il soit absent à l'entretien de notre président avec un secrétaire d'État de la plus grande puissance du monde. Donc je m'interroge beaucoup sur ce qui se passe aujourd'hui à Alger. Pourquoi cette soumission-là? C'est une vraie question. Boukhalfa, avant de vous donner la parole, puisque Hassan a parlé de russe, nous allons écouter M. Tebboune en parler aussi. Mais lui parle de la mafia russe. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la mafia russe en Algérie, autrement peut-être que par le biais des transactions sur les achats d'armement qui, là, concernent des gens qui sont en poste aujourd'hui? Mais écoutez-le. Mettre toutes les barrières nécessaires pour qu'on s'éloigne définitivement de tout ce qui a été fait par l'oligarchie qui est partie, etc. Qui a été très lié avec la mafia russe, mafia italienne, mafia de tout truc, et qui ont détourné tout l'argent du pays. On essaie d'en faire profiter les jeunes. Ma vision est que ce pays-là est jeune, il faut qu'il soit pris en charge par les jeunes, aussi bien politiquement qu'économiquement. Et c'est pour ça que nous favorisons à un point pratiquement sans limite des start-up. J'ai pris un ministre, très jeune ministre de 26 ans, qui est chargé de start-up, qui fait du bon travail, du très très bon travail. Boukhalfa. Il a toutes les barrières nécessaires pour... Écoutez, alors, je vais dire quelque chose. C'est que M. Tebboune a maille à se départir de son costume de Wally. Donc, il a maille à sortir de ça. Donc je pense que quand on a fait un tant soit peu un peu de management, on s'est tout de suite repéré celles et ceux qui ont des capacités de meneur d'homme. Voilà. Donc là, il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Sur un autre plan... Ce n'est pas une évaluation personnelle que je fais, donc à l'entendre parler, cette capacité à se mouvoir de la sorte, à hausser le temps quand il s'agit de nos voisins marocains ou un peu sur un autre registre de la France, et cette façon aussi de faire de l'aplaventrisme devant le ministre des Affaires étrangères de l'une des puissances aussi révèle un fonctionnement et voilà. Sur un autre plan, donc il oublie la mémoire courte qu'il a une longue carrière d'administrateur dans l'oligarchie qui n'est toujours pas tombée, qui continue d'emprisonner, qui continue de libérer de façon sournoise des personnes qui sont peut-être rappelées le lendemain, et au même moment d'en arrêter d'autres. Donc à quoi c'est dû? Est-ce que c'est pour la consommation? Est-ce que c'est un... voilà, on s'y perd par moment, mais le fil conducteur est tout simplement, comme vous l'avez supputé tout à l'heure et quelques amis me l'ont dit, c'est que probablement il va y avoir un réalignement sur un certain nombre de questions, mais vous aurez remarqué que... il parle de mafia italienne, donc il fait référence aussi l'histoire de Charkrib Khalil, je pense, et la mafia russe, mais il est très loin de ce qui est des commissions, des rétrocommissions sur l'armement. Donc là, c'est un sujet qu'il n'abordera jamais. Évidemment. Mais comme je vous ai dit, il a maille à se départir de son costume de Wally. Très bien. Alors, pardon de ne pas revenir à vous, chers amis. Nous arrivons à la fin de l'émission et avec Ramadan, vous savez, c'est un peu... serré. Alors, nous allons vous passer, mes chers amis,
dernière vidéo, mais il y en a d'autres, hein, beaucoup d'autres que nous aurons l'occasion de vous passer, de M. Tebboune. Je dirai au revoir à Hassan Hirsch, Sahaf Turkum, au revoir à Boukhalfa Ben Mamar, Sahaf Turkum, et Sahaf Turkum à vous, chers amis. Mais restez avec nous, vous allez voir une vidéo très très dure qui a été diffusée par Sami, par les amis de Sami Darmoni après son autre incarcération. Elle a passé une année de prison, puis il a été réembarqué hier. Et une vidéo est sortie où il fait un témoignage, écoutez-le très attentivement. Dommage pour Ramadan, ça ne mérite pas. Mais Allah khalb, c'est comme ça. Qawala khair, bismillah. Assalamu alaikum, azzulkullah wa khawti, khawatati. Ma'akum Sami Darrouni, min mawalid, 4 asra, 82. Ta'arrafte l'itadib, yom i'tiqali min qibl al-mukhabarat al-jazairiya. يوم 2 تم اعتقالي يوم 2 ديسمبر 2020 على الساعة 3 مساء تم اقتيادي إلى مركز سيتياري دي بازا لمدة ساعة ونص في دي بازا بعدها اقتادوني للدار اللي كنت فيها أنا يديروا بيركيزيسيون في الدار هذيك يفتشوا يقلبوا الدار هذيك يعاودوا يرجعوني للسيتياري تاع دي بازا انطلقوا بيا بعدها الى مركز عنطر للتعذيب. لحقنا المركز عنطر حوالي الساعه 7:30 8. نلقاو 20 عبد ولا 30 داخل في الكازارنا في لاكور الاولى هذه اللي مديرين يديروا فيها التحقيق. نلقاو واحد 20 ولا 30 عبد يستناو وكانوا يسنوا قوة ضاربة. هبطوني نحاول الكابور، أول حاجة نهالوا عليا بالركل والضرب. للآن لطراس للآن ما تنحاش، ومازالوا كاينوا أمور خير نحكيو عليهم. ومن بعد يدخلوني لاكور، ينحيولي قشي كيما جابتني يما، كيما خلقني ربي سبحانه، بلا كتانة بلا شيبونة. يعلقوني بلي مينوط. يديك معلقين وانت كيما جابك ربي. ويوم 2 ديسمبر حطوني مدة ساعتين وانايا واقف مربوط البرد يقطع. بعدها يأمروهم يقولوا لهم جيبوه للبيرو. قبل ما تجيبوه للبيرو لحوا علي تما قبل ما يجيبوني للبيرو لحوا عليا بدون تهمة. كي تقطر مليح نحاول كلي بينو يدي وكذا مدة نص ساعة وأنا وحدي في البيرو هذاك بورتير دو مورال شكون هذا اللي حيجيو يهضروا معايا. يدخلوا أنا مربوط في كرسي تحديد مع لا طابل مربوط بلي مينوط ما نقدرش نشوف واش كاين ورايا. يجيو بالكفوف للراس الضرب اللي شدوا قسما بالله العلي العظيم لا يحملوا بهيم البهيم ما يحملش والحمد لله حنا رانا بشر. يضربوا معايا في البيرو هذاك الليل هذيك مده ثلاث سوايع. واحد خلعان راكم تتخيلوا الامر هذا كيصرى لك وتلقى روحك في امر كيما هذا واش حيكون الرد تاعك. يعاودوا يديوني في السيلونه يحطوني مثلا ساعتين ثلاثه يزيدوا يعاودوا يجيبوني ساعتين ثلاثه الوحده تاع الليل ساعتين ثلاثه ما يخليوكش كل وقت طلع هبط الضرب السبان الرخص ما عمالكش انا وراهم يضربوا ما كانش حتى اسئله انا وراهم يضرب فيك. الغدوه هذه كيبداو لي التحقيق على 6 تاع الصباح 6 تاع الصباح يبداو لي التحقيق تاعهم وكل تابع تحكي مع فلان يدير لك جام فلان يهضر معاك فلان الضرب توصل بهم انهم كيما تهضرش معاهم مليح ولا هذاك يضربك بالطازار ما يقبلها لا عبد لا نصراني لا يهودي لا مسلم واحد ما يقبلها. التهديد بالتصفيه التهديد بقطع الاطراف التهديد كل التهديد نتاعهم الكلمه السهله عندهم ما تزيدش تشوف الضوء انسى